Tout de suite pour la dernière vidéo sur la dernière vidéo de l'Odyssée sur Euro Truck 2, donc on va peut-être pas arriver en Angleterre aujourd'hui. Expliquons-nous, regardez bien le GPS et là vous allez me rigoler et faire ah. Bon, ok, je sais, j'ai pas beaucoup forcé là-dessus et j'aurais pu en faire mieux. Là on va tout droit. Donc il faut que je me repose, donc à la prochaine station service, on va se poser vite fait, hein. Vite fait. Donc j'espère quand même que ça vous plaît, que ça vous procure un petit plaisir de me voir comme ça perdre devant vous. Non, je déconne, parce que perdre devant les gens, c'est pas terrible non plus. Mais bon, oh là, qu'est-ce que je fais, ce petit écart de chemin là. Voilà. Bien quand même sorti. Bon, donc n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Ça, c'est vraiment ce que j'attends le plus de vous. Et si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire aussi, ce qui pourrait vous faire plus plaisir encore à dire. C'est vraiment ce que j'attends le plus. Donc moi, pour l'instant, je continue mes vidéos. Je ne m'embête pas, on va dire. En partie en PSK, mais en partie en commentary, quoi. Tout simple. Et donc voilà. Et c'est vraiment ça le but de ma vidéo. Et pour l'instant, donc c'est vrai que là aujourd'hui, ce sera pour le 24 décembre. Donc ce qui fait que je souhaite à tout le monde un joyeux Noël, un peu en avance, mais bon, même un peu beaucoup. Donc voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible, hein. On a déjà fait 200 km je crois à peu près au dernier épisode. Donc assez pour pouvoir finir au moins une partie du jeu et être une partie. Oui, je sais, t'es fatigué, mais il n'y a pas de station service. Je passe. Et tu roules. Tout simplement, tu roules. Voilà. Donc, on va. Là, il y a une station service. J'espère pas prendre d'amende avant d'être arrivé là-bas. Ouh, ça joue à pas beaucoup là. Mon rétro, il m'a fait peur. Bon, non, on va arrêter on va essayer de bien conduire et tout. Après, je pense qu'au prochain épisode, je ne tournerai pas avant fin décembre et ou mi-décembre, parce que là, je pense que de toute façon, c'est pourri. Et après, on mettra le régulateur de vitesse pour éviter de se casser les pieds et de pouvoir avoir une certaine liberté et de pouvoir. Oh oui, putain, ça c'est pas jouable. Là en fait je suis en train de flipper un peu parce que j'ai freiné dans le virage et c'est pas bon de freiner dans un virage du tout même. Je sais que je suis fatigué, merci. Donc voilà, c'est vrai que moi, donc je j'aime toujours autant que les vidéos, j'adore les faire, franchement c'est vraiment très plaisant de faire des vidéos sur YouTube, et que pour l'instant faire. Mais connard, je suis arrivé presque. Faire des vidéos comme ça, c'est vrai que c'est assez sympathique. J'adore les faire, mais bon, il y a quand même quelques petits trucs qui sont un peu
énervant, on va dire. Donc voilà. J'espère pouvoir au moins arriver vers Strasbourg, je crois, et être assez tranquille pour la suite. Donc voilà. Ouais, pour nous, ce sera un très peu. Donc voilà, on a un petit accident. Faites-moi voir ça. Donc, ouais, 0 minute, ça j'ai compris. On a 6 de dégâts quand même. Donc on revient là. Ok, j'ai trouvé comment fallait faire ça. C'est plutôt pas mal. C'est assez sympathique. En gros, même le jeu, j'arrive à le découvrir encore alors que j'ai 50 heures de jeu dessus ou un truc comme ça. J'en suis pas loin en tout cas, je crois. Donc on va aller se reposer tout de suite, vite fait. Histoire de pouvoir terminer tranquillement. Donc normalement on est censé arriver demain soir, mais je pense que c'est infaisable. Et j'espère qu'on va pas arriver en retard par rapport au patron en gros. Et que on va pouvoir arriver dans les temps. Parce qu'il me semble que c'est 5-10 mois qu'on doit arriver. Ou je ne sais quand. Et là pour l'instant on est à vendredi soir, donc on a encore je crois 24 heures. Ah bah non, oui, on a encore je crois 24 heures si je ne me trompe pas. Et en se reposant et tout, 2-3 fois, ça va être encore assez chaud, on va dire. Donc, aïe, c'est la première fois que ça m'arrive ça. On a calé en plus. Donc on va aller se mettre là-bas dans le coin là pour aller se reposer, faire une petite sieste. Tranquille, voilà. Donc voilà, j'espère que quand même ça vous fait plaisir que je fais des vidéos, que je fasse des vidéos comme ça un peu ah oui maintenant je fais comment Donc voilà. Hop. Voilà. Excusez-moi pour que la caméra ait bougé. Mais en gros la caméra est sur mon clavier. J'aurais dû mettre le deuxième clavier pour être tranquille. Ah merde, j'ai pas la pression bien suffisante. On va mettre un peu d'air dans le moteur. Non, c'est pas dans le moteur, c'est là. Donc on va aller, franchement j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez voir d'autres trucs comme ça, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous. Parce que si vous me le dites, je vais en faire d'autres. Mais peut-être essayer d'en faire dans une version plus sobre. Et en gros où je serai plus en train de rouler, comment dire, sur des zones... territorial on va dire en gros, parce que là c'est vrai que j'ai fait beaucoup de mer et peu de terre, peu de route on va dire. Donc voilà, et j'espère franchement que ça vous plaira, que je... Oh, il y en a encore une après, ça sert à quoi d'en mettre deux aussi près là. J'espère quand même que ça vous plaira et que cette série de 4-5 épisodes, non, 5 ou 6 épisodes peut-être, parce que je pense pas que j'arriverai à cet épisode à Sheffield, donc du coup 5 ou 6, ouais. Donc voilà, une très longue série qui rapporte une très longue série qui fait plutôt assez bien parler d'elle peut-être. Enfin, parce que je sais pas si on a trop des vraiment longues séries comme ça, avec une petite personnalisation et tout, parce que je pense que je sais plus exactement quand c'est que j'ai pensé à faire un truc comme ça pour le mois de décembre, mais je crois que déjà même au mois de septembre j'y réfléchissais un petit peu, mais depuis le mois d'octobre j'en parlais, j'avais vraiment envie de le faire et tout, donc il me semble bien que depuis le mois d'octobre, septembre-octobre, voire même fin août peut-être, donc ça fait quand même que ça fait un petit moment que j'y pense, hein.
Ben là, je l'ai concrétisé et tout. Mes vidéos, ça fait un moment que je les prépare. Tout le mois d'octobre, j'ai dû faire des espèces de petites face commentaries pour me préparer à faire la grande. Et donc voilà, c'est vrai que ça fait des années, des mois et des mois que je prépare ça. Parce que là, j'ai envie que ma chaîne, cette année, évolue, passe au niveau supérieur, passe à un stade supérieur. D'ailleurs, je pourrais dire, on va laisser quand même oublier, on sait pas, on sait jamais. Donc j'ai envie que ma chaîne passe un niveau au-dessus, passe à la facecam. Donc là, pardon. Ouh. Donc là, on va passer un niveau un peu au-dessus, on va tout changer. On va essayer de changer l'intro, on va peut-être essayer de faire 2-3 autres trucs, on verra bien. Mais tout ce que je sais, c'est que tout, et je dis bien tout, ce qu'il y a sur ma chaîne, ou presque, changera. Des intros, elles vont changer. Donc là, on va où? En Suisse, c'est ça, hein? Ouais, on va en Suisse. On est en Suisse, plutôt. On va pas tarder à y arriver, et là on y est. Donc j'espère franchement que ça vous plaît. La générique qui me rate. Hop, allez, c'est parti. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous plaît. Si ça vous plaît, abonnez-vous, dites moi dans les commentaires, on veut en voir d'autres, et là vous en aurez. Si vraiment ça vous plaît, j'en ferai un par peut-être pas un par mois, mais tous les un mois et demi en gros, le temps que j'en finisse un et que j'en fasse un autre. Après voilà, en gros c'est ce que je veux faire pour l'instant, c'est ce qui me semble être la meilleure solution et ce qui me semble être le mieux par rapport à vous, parce que c'est vrai que je trouve ça assez sympathique. Moi j'aime pas trop les longs trajets, mais là c'est vrai que je trouve que c'est plus sympa quand on n'est pas tout seul et qu'on puisse parler tranquillement. C'est assez sympathique, même si je trouve que je parle comme un con devant mon ordinateur, c'est vrai que c'est stupide. Ça peut sembler un petit peu stupide, mais bon, on va dire que c'est moins stupide que de parler tout seul devant son ordinateur et que en gros juste de parler devant son ordinateur tout seul, qu'il n'y ait pas de facecam, rien du tout, et que et puis de s'énerver aussi pour un rien. Ben pour un rien, je le fais en fait, c'est ce que je fais, mais bon, en gros, c'est vrai que je suis peut-être un peu moins irritable, on va dire, quand je suis en facecam que quand je joue tout seul. Parce que quand je joue tout seul, je rage beaucoup plus que ça. Même si des fois, vous voyez un peu, si ça ne marche pas comme je veux et qu'il y en a un qui va pas assez vite pour moi, je vais râler et tout. Là, bon, ouais, c'est vrai que ça m'arrive peut-être assez souvent. Et en gros, j'ai l'impression qu'en gros, je bouge selon le camion. En gros, c'est vrai que je fais vraiment un peu comme si j'étais le pilote. Bon, j'ai encore fait un accident. Heureusement, ça m'a rien compté. Parce qu'en gros, j'ai juste dû le frotter. C'est pour ça qu'il m'a rien compté. Donc voilà, c'est vrai que ces épisodes m'ont fait beaucoup plaisir. Et me font encore plaisir parce que je les fais encore. Donc sinon j'aurais arrêté en plein milieu et puis vous serez démerdé avec un bout d'épisode, vous ne sauriez pas comment ça se serait terminé et tout. Donc je veux vraiment aller jusqu'au bout et pouvoir vous montrer un épisode qui pourrait, de toute façon, qui va bien se terminer, un peu en retard par rapport au programme que je m'étais fixé certes, mais quand même qui se terminera bien. Donc voilà, après à vous de me dire si, même si j'ai pas été dans mon programme, si j'ai tout foiré ou presque, est-ce que ça vous gêne ou pas? Moi, après c'est à vous de me dire, c'est vrai que j'ai foiré beaucoup ce que je viens de faire là. Je pensais vraiment finir cet épisode, mais je pense que 1300 km, je pourrais pas les faire en une journée. C'est littéralement impossible de faire ça en une journée, en 45 minutes.
c'est littéralement impossible. Je pourrais en faire 200-300, mais pas plus. Et vraiment, je trouve ça dommage, mais en même temps, c'est vrai que c'est une belle expérience qui se continuera et qui se terminera aussi, parce que faut bien terminer un jour. Hein. Donc voilà, après, c'est à vous de me dire si vous voulez encore en voir. Parce que moi, je pourrais en faire d'autres, hors contexte, on va dire. Par exemple, il n'y aura pas forcément pour la Saint-Valentin, ou pour... Là, c'est vraiment, on va dire... pour Noël, comme on indique, un peu de chapeau et peut-être un peu ce qu'il y aura dans l'intro, je sais pas trop où, parce que encore j'ai pas encore fait du montage, donc on verra bien. Donc c'est vrai que pour l'instant je cherche un peu encore des nouveautés à explorer, des choses un peu inexplorées dans à Euro Truck. C'est que c'est un peu dur de trouver des trucs comme ça inexploré, parce que dans Euro Truck il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites avant que je fasse une vidéo quoi. Et c'est vrai que trouver du truc neuf sur Euro Truck maintenant, au bout de 2 ans que le jeu est sorti et tout, c'est vrai que c'est un peu con et un peu chiant, mais je pense qu'il y a encore 2-3 secrets à révéler avant la fin du jeu, avant qu'un nouveau jeu d'un 2-3 secrets. Je me comprends quand je dis 2-3 secrets, c'est pas des secrets dont je veux parler, c'est plutôt de, comment on peut dire ça, il y a 2-3 encore nouveautés qui pourraient être plutôt sympathiques sur Euro Truck, sur les nouvelles maps, les modes et tout le bazar. Il y a encore, je pense, 2-3 autres mises à jour qui devraient arriver avant que par exemple American Truck arrive, s'il sort un jour bien sûr, parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que je pense que là faut pas trop rêver non plus, même si ça doit être faisable. On doit pouvoir trouver certaines choses, on doit pouvoir faire pas mal de choses. Je pense que si un jour il sort American Truck, il sera vraiment très bien. Mais pour l'instant, c'est vraiment que du blabla, parce qu'on n'a pas vu encore des choses concrètes par rapport à American Truck. On en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de choses à son égard, mais on n'a pas vu de choses concrètes de American Truck Simulator. On en a vraiment beaucoup parlé, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler sur YouTube. La plupart des youtubeurs qui font Euro Truck en ont parlé pas mal. Mais bon, je pense que ce jeu est pas encore prêt d'arriver. Non, pas encore. Mais qui pourrait peut-être arriver. Donc, merde. Donc, c'est pas ce que je pensais. Ah, c'est pas comme je le pensais. C'est bon, on va pouvoir, non peut-être pas continuer là parce qu'il y a le camion, les deux camions là qui roulent comme des mémés là. Donc voilà, c'est vrai que oh, il y a encore la lune. Donc c'est vrai que American Truck, on repart sur American Truck. J'avais déjà fait un épisode où je parlais beaucoup de ce jeu, mais American Truck, c'est vrai que c'est un jeu qui pourrait me plaire, qui me plairait bien, qui ressemblerait beaucoup à Extreme Trucker, le jeu que je vous ai fait il y a quelques temps. J'espère qu'il ressemblera pas à 18 Wall Truck américaine là, ou je sais plus trop comment il s'appelle, parce qu'en gros c'est à peu près, j'ai à peu près dit tous les mots du titre, mais ils sont un peu dans le désordre on va dire. Et c'est vraiment le petit truc qui manque, parce que 18 Wall Truck American Truck était vraiment pourri déjà. Pas contre ce jeu là hein, j'ai rien contre ce jeu, mais graphiquement il était très moche. Bon, c'est vrai qu'après graphiquement c'est pas vraiment à l'ordre du jour on va dire, par rapport à l'époque hein, je parle, parce qu'il a déjà 5 ou 6 ans je crois, je sais pas exactement. Je voulais même le tester sur YouTube et tout, et puis finalement je l'ai pas fait parce que le jeu était vraiment pourri. Donc déjà franchement je vous dis, j'ai pas un ordinateur non plus
pourri de chez pourri, hein, mais il tournait presque pas sur mon ordi. Il tournait pire que Euro Truck 2. Donc pour moi, c'est un jeu qui est bien, mais mal fait, mal optimisé. Il y a beaucoup de défauts dessus, même peut-être un peu trop pour une entreprise qui est, mais il me semble qu'elle l'était aussi déjà à l'époque, spécialisée dans les jeux de camion. C'est vrai que c'était un petit défaut, un petit bémol, un petit hic, on va dire, sur ça. Donc voilà, pour moi, le 18 Wheelers Truck, Wheelers American Truck, était vraiment nul, à chier. Et c'est... je vais pas reprocher ça, parce que c'est vrai que ça demande du travail de faire un jeu. Je suis sûr que c'est beaucoup de travail. Mais bon, il y a aussi d'autres trucs dedans. Derrière, il n'y a pas que l'aspect pognon, il n'y a pas que l'aspect... en gros, voilà, il y a beaucoup d'aspects dans un jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'un jeu vidéo, ça coûte beaucoup d'argent déjà. Et puis, il y a aussi le fait que... comment dire ? En plus du travail, il y a beaucoup de... Oh, ah non, c'est bon, en fait, j'aurais pu rester là où j'étais. Donc, en plus d'avoir beaucoup de coûter cher, ça demande beaucoup de travail. Pas mal de choses dans ce genre-là. Et, et en plus de tout ça, de coûter cher et de mettre beaucoup de temps, il faut aussi... on va passer, je crois, de l'autre côté, non? Donc, en plus de coûter cher et de... Je sais pas comment... Parce qu'en gros, un jeu, ça coûte cher, ça prend du temps. Après, faut avoir une bonne équipe et ça prend moins de temps. Faut avoir voilà, des gens qui s'y connaissent. Et ça prend déjà un peu moins de temps, on va dire. Et c'est vraiment ça que je reproche un peu. Ils n'ont pas dû choisir une bonne équipe. Et donc, c'est pour ça que ce jeu est vraiment pourri. Parce que quand même, j'ai pas un ordinateur non plus. Ben, j'ai pas un ordinateur dernier cri. Mais je pense que dans les années... oh, saloperie, va. Dans... Oh, connard. Ah, vas-y maintenant, hein? Merde. Excusez-moi. Bon. On va essayer de passer, hein. Aïe. Comme tard. Connard. Allez, mais... Ah, mais vas-y, fais du forcing, je te dirai rien, allez. Casse-toi, laisse-moi passer. Laisse-moi passer avec ton merco de bébé. Bon voilà, excusez-moi pour ce petit moment là, parce que c'est vrai que c'était un peu merdant. Allez! Putain. Donc en fait, c'est qu'il faut que je m'en sorte, là, faut que je passe. Là, de toute façon, je vous dis concrètement, maintenant, à cause de cette connerie, là, je vais pas pouvoir finir avant. Mais bon, au prochain épisode, on recontinuera cette mission. Mais par contre, innovation, on arrêtera, on continuera, mais avec le limitateur de vitesse. Donc, ce qui fait qu'on sera à 90 km/h maximum. Vu que maintenant, on a le temps, on peut prendre notre temps, vu qu'on sait que c'est foutu, donc on s'en fout, hein, concrètement. Et on va au moins... là, non, on est à 23 minutes, donc il nous reste une petite vingtaine de minutes. Hein. Donc on va pouvoir avoir le temps d'aller jusqu'à jusqu'au prochain. Donc on va aller tranquillement jusqu'à au moins peut-être l'Allemagne ou la France, on verra. Jusqu'à Strasbourg, il me semble qu'on passe par Strasbourg. Ou par Reims, je sais plus par où on passe. Mais on passera quelque part, ça c'est sûr. Là, il nous reste 1700 km d'autonomie et on a encore 1300 km à faire. Et 1300 km en 20 minutes, c'est infaisable. Et je vous dis concrètement, hein, j'ai rien contre vous, rien contre moi non plus.
Mais 1300 km en 20 minutes, c'est infaisable. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu... Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude des longs trajets. Pour moi, ça allait beaucoup plus vite. Donc voilà. Et c'est vrai que je me suis mis un peu dans la tête vraiment du cochonnerie, on va dire. Mais bon. On va continuer quand même cet hebdo. On va continuer cette odyssée. Certes, sera un peu plus long que prévu. Mais... il sera toujours là quand même. Donc voilà. Donc voilà. Et j'espère que ça vous plaît. Que voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime avec un petit commentaire pour faire plaisir. Pour me dire par exemple, il y a un petit défaut là, il y a un petit machin. Gentiment par contre, parce que c'est vrai que ça fait pas plaisir quand on prend pour un con. Voilà. Faut le dire gentiment ou avec un truc voilà, faut pas dire ouais t'es nul, ça c'est pas bien et tout, voilà, ça c'est merdique, ça vaut rien concrètement. Mais bon, après j'en tiendrai compte quand même. Donc voilà, alors que voilà, en gros c'est vraiment tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, donc allez sur ma chaîne et cliquez sur abonnez-vous, hein. À abonner ou abonnement, on sait plus comment c'est. Parce que après en gros si après quand j'aurai déménagé de chez là où je suis ou comment dire ou que j'aurai une meilleure connexion ici en gros la fibre ou un truc dans ce genre là, j'essaierai de vous faire un peu de live. Parce que c'est vrai que le live c'est vraiment ce que j'attends. C'est parce que là j'ai vraiment une connexion pourrie de chez pourrie. Et qui marche plutôt bien quand je suis pas quand je suis à certains endroits et pas à d'autres. Donc c'est vraiment. Ah, on arrive, on voit le bout du tunnel. Ça doit être le tunnel du. Ah bah non, c'est pas en France. Je pensais que c'était le tunnel du Mont Blanc, mais non. Et le truc bizarre c'est que en gros là on revient sur une route, sur une route qui est la nôtre quoi. Ben on quitte pas notre route, la route pour revenir sur une autre route, mais par contre à l'entrée du tunnel on passe sur la voie qui amène de l'autre côté. Mais c'est quoi le Vince là? J'y comprends rien. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être sympa et tout, mais bon, là on va dire qu'il y a encore pas mal de choses avant d'arriver. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Là je suis encore pas mal dans la phase de transition on va dire. Et de voir que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire me dégoûte un petit peu on va dire. Et mais bon, c'est vrai que aussi j'aurais un ordinateur qui tournerait mieux, peut-être que j'aurais réussi à faire ça, peut-être, je dis bien peut-être, mais ça m'étonnerait que j'aurais réussi. Et un volant aussi, en gros si j'aurais eu un truc avec une qualité moyenne on va dire, j'aurais peut-être réussi à faire une vidéo plus correcte que celle-là. Mais bon, à dire que je n'ai pas réussi, tout simplement. On va pas se lamenter, on va pas dire que c'est de la faute des autres, hein, alors que c'est que de la sienne. Donc voilà. Là on est presque à 30 minutes. On a déjà fait 100. Voilà, j'ai 55 km. Ben, j'ai 45 km. 45 km. Ben, je sais plus exactement à combien on en était quand on a démarré la partie. Ben, la partie. La vidéo là. Mais bon, c'est vrai qu'on a bien été emmerdé une ou deux fois, je crois, je sais plus. Parce qu'on a eu un accident assez grave, on a eu pas mal de choses. Et c'est vrai que. Comment il est maintenant mon...
pas, putain, on va pas gagner grand chose, les gars. Parce que là, je pense que c'est foutu, vraiment, parce que là, on va pas pouvoir faire grand chose. Parce que notre cargaison est déjà niquée à 20%. Bah, va falloir voir, hein. Parce que ça peut nous rapporter quand même. Mais bon. Donc là on va encore un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Et donc là ce sera le dernier. Peut-être que je le mettrai pas en fait le 2, on verra. Je sais pas trop, on verra. Oh, ah oui, oui. Peut-être que je le mettrai pas le 2, mais le 3. Parce que, exceptionnellement, parce que, en gros, j'aurais voulu faire une vidéo un peu spéciale. Donc peut-être pourquoi pas finir pour le 3. Finir pour le 3 janvier, on va dire. L'Odyssée. Et arriver... parce que le 3, pour moi, c'est un jour un peu spécial. C'est le jour où je suis venu au monde. Et je suis du 3 janvier. Il y a quelques années déjà. Mais... Donc voilà. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire une vidéo un peu spéciale pour ça. Pour célébrer un peu mon anniversaire. Et en même temps, ceux qui sont nés le 3, 4, 5 janvier, quoi, on va dire. Et bien de pouvoir fêter l'anniversaire de tous ceux qui sont du début janvier. Donc du 1er jusqu'au 10, on va dire, à peu près. Hein. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je pense qu'on finira peut-être ça pour le 3 janvier. Parce que normalement je dois mettre la vidéo le 2. Mais le 2, c'est vrai que si je voudrais la mettre le 3, ce serait mieux. Donc je pense que je la mettrai le 3 et on fera une petite vidéo assez courte en gros. Et donc voilà. Là je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Elle sera peut-être un petit peu plus courte celle-là que les autres. Mais bon, dire... ça compte pas forcément quoi, on fait un truc parce que voilà, parce qu'on doit le faire et parce qu'il faut le faire. Donc je pense que celle-là sera peut-être un petit peu plus courte que les autres. Juste parce que... Juste parce que j'ai envie qu'elle soit plus courte et parce que... Maintenant que je sais que je ne pourrais pas y arriver aujourd'hui, je peux ralentir la cadence. Et me caser sur un samedi matin. En gros, dans... Bon, là, on en est où, là? Parce que ma remorque, quand même, elle a dû prendre cher encore. 27, vas-y, saloperie. Donc voilà, on va aller finir ça. Et je vous dis que sur les 118 000 ou les 100 je sais pas combien de 1000 là, on va vraiment pas gagner grand chose, hein, je vous dis clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire, etc. etc. Allez voir ma page Facebook aussi. Donc c'est juste... Ah, il y a le lien dans la description dessous. Là c'est vrai que je conduis comme un teubé, j'ai l'impression. Là j'ai vraiment l'impression qu'on devait comme un TV et de compte là, pour plus que ça ne marche à rien. Donc
voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous ne me donnez pas trop rigueur des accidents que j'ai fait aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais ça me permet encore moins d'arriver à l'heure. Donc voilà. Donc le réveillon de Noël se passe mal déjà. Même si je l'ai pas tourné le 24, hein, mais bon. Parce que si je l'aurais tourné le 24, ça serait. Mais bon, on prend comme si. Donc c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de. Donc on va attendre la prochaine station service. Et après, on va s'arrêter à la prochaine station service. D'ailleurs, mon petit bonhomme va bientôt passer au rouge. Et on attendra la prochaine vidéo qui sera. Oh merde. Moi, j'ai un mauvais fonctionnement de mon moteur. Bah bien. Bon, là faut bien conduire. Gardez les yeux ouverts. Donc là on va rester un peu tranquillement. Là on va pas. Ah d'ailleurs on va peut-être. J'ai peut-être réussi à faire ce que je voulais faire à peu près, arriver vers Strasbourg. Mais c'est peut-être un petit peu trop tard parce que là j'ai déjà fait toutes mes vidéos. Donc je pense par contre qu'on pourra arriver pour non, peut-être même pas en fait. Ah non, attends, je te dis comment. Le 3 c'est un dimanche qu'on a dit. Non en fait je vous dis un oui. Non c'est bien samedi mon anniversaire. Donc oui, là je suis en train de penser un peu. Donc on va aller jusqu'à la prochaine station service et on va s'arrêter là. Pour l'instant, on reprendra soit après les fêtes. Mais je pense qu'on va reprendre directement en gros le 31 ou premier 31, je sais pas encore si c'était. Non, parce que le 31, je ne l'ai pas prévu. Donc on mettra peut-être 2 et 3, le 2 et 3 janvier, pour livrer la livraison. Et peut-être que le 3, on aura juste une petite livraison, vraiment très courte. Parce que j'ai vraiment envie de finir ça. Et de pouvoir fêter mon anniversaire en votre compagnie. Donc même si je ne le tourne pas 3 non plus, franchement, voilà. Mais c'est vraiment pour faire un geste. Un truc dans ce genre là, voilà. Donc là c'est vrai que ça commence à être un truc. Donc voilà. Ah putain, je commence à avoir la gorge toute sèche. Plus mon camion est tout défoncé. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez ailleurs, bon, là, je m'en fous. Pas trop en fait, je veux juste savoir ce que vous pensez de cette vidéo, de la série que j'ai mis en place. Moi je veux pas aller là-bas, je vais aller vers Dijon, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, juste... je voudrais vraiment savoir ce qui vraiment parce que en gros voilà je me demande souvent ce que vous pensez de mes vidéos. Moi franchement je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Après ça dépend pas de moi mais sur surtout de vous, parce qu'en gros c'est vous qui regardez mes vidéos et pas moi. Moi je trouve que je m'en sors plutôt bien sur la plupart des jeux que je fais. Et je vous dis que franchement, si vous voulez avoir du fail, du fake, des trucs comme ça, bah, fake non, des fails et des vidéos en gros où je rate presque à chaque fois ce que je fais, je rate ou je le fais pas bien on va dire, ça c'est assez souvent le cas où, pas forcément je le rate mais... Plutôt je le fais en plusieurs fois. Ah là on est bientôt arrivé sur une station service. On va s'arrêter.
Et on reprendra à la prochaine vidéo. Parce que là, faut vraiment que je décompose un peu. Et c'est vrai que... Là, celle-là n'a pas été... En gros, les deux premiers épisodes, c'était plutôt bien passé, on va dire. Mais ceux-là ont été un peu rudes, un peu durs. Bien plus durs que les autres. Alors que pourtant, dans la deuxième vidéo, on était en Grèce. Il y avait beaucoup de virages et tout. Mais pourtant... ça s'était plutôt bien passé, je trouve. Alors que là, je trouve qu'il y a eu du mou, c'était pas top. Mais bon, on va dire que je sais pas, je devais pas être bien ou il y avait un truc. Parce que là, c'est vrai que ça me choque un peu que je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire en gros. Donc, voilà. Donc on va aller à la... En plus on est bien, on est à 40 minutes là, le temps que j'y arrive on sera super bien. On va être super super bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que les vidéos que je fais vous plaisent. Parce que franchement moi c'est tout ce que j'attends de votre part. Parce que c'est vrai que je me donne vraiment beaucoup dans mes vidéos, que je me donne à fond on va dire. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai vraiment essayé pas mal de choses. Alors, on arrive en France, je crois. Ou... Oui, on est en France. On arrive à la frontière française. Donc on va s'arrêter ici à nos 41 minutes. Donc ouais, on va faire 41 minutes de vidéo aujourd'hui. C'est un petit peu plus court que d'habitude. Donc voilà. Parce que déjà, faut qu'on se repose et... Donc je vous annonce voilà que j'ai pas réussi le petit défi. C'est dommage. Mais bon, on va dire que je pourrais le refaire. Là je vais de finir. Mais j'ai pas réussi à le faire. Donc voilà. On va voir où on en est. Donc je peux passer par là. On va regarder sur la carte où on en est. Non, on doit être pas le... Oh non, non. Oui, c'est bon. On est où? Ah, on est là. On est là. Ah ouais, non. On a fait à peu près la moitié du chemin, je pense. Ouais, on a dû faire un peu plus. Oui, on a dû faire un peu plus de la moitié du chemin. C'est vraiment pas forcément ce à quoi je pensais. Mais je pense qu'on reprendra vers Zurich là. On va aller vers Strasbourg et tout. Ouais, en gros, ouais. On va faire un truc plutôt pas mal. Mais moi je vais continuer. Je vous dis clairement, on va finir pour le 3 janvier. Quitte à ce qu'il faut que je mette 3 vidéos par jour. J'aimerais bien finir pour 3 janvier. Ouais, si je fais 2 vidéos de plus. Ouais, on va dire, ouais, ça serait pas mal. Donc on va se quitter là-dessus. C'était un même simulateur. Et je vous dis à plus tard. Ciao.